On a toujours dit qu'il fallait boire avec modération. Tenez, regardez ce tableau d'Edgar Degas, exposé en 1876 à Londres. Vous voyez cette femme au regard vitreux qui paraît bien seule? Eh bien, elle vient d'enchaîner un ou plusieurs verres d'absinthe, un alcool à 70 degrés, surnommé alors la fée verte, et très populaire dans le milieu de la bohème parisienne à la fin du 19e siècle. Cette peinture de Degas provoqua un véritable scandale et choqua la bonne société par une scène que l'on qualifie alors de vulgaire. L'homme à côté paraît lui aussi se plaire dans cette ambiance morose et alcoolisée. En fait, Degas critique les mœurs de son époque et met en garde contre les fléaux de l'alcoolisme. En somme, c'est un peu l'ancêtre de nos campagnes actuelles contre l'alcoolisme. Pourquoi c'est connu ? La nouvelle série Histoire de l'art du Grand Palais. Abonnez-vous.